Amen. Musa na musa le daba problème non. Na mate fongola Bible ma mo bandi. Oh oui zara tiki tiki tiki. Mon azasuna tellement comment on et vraiment Jésus a célébré bien né à Kenaki avant de nous préparer une place pour ce tour. C'est la louange. J'ai vu mon moment a mise en place que ça l'a bien, bien, très bien fait. Avant d'aller là, ils ont demandé la condition mingi. Comment on a dit na Uganda. Pendant période na kene yo pe maman mke. Période on a dit na zuehi. À peu près trois chants. Deux chants avec na lingala, moi que c'est en anglais. Na comprendre que lingala na anglais a pembe ni français na katika disons moi problème. Donc, lingala en anglais est ma proche. Connexion française a été na mboka na ata morote. Ata na molimo na lukinze mba français. On est que spirituellement na mboka na bazo nze mba français. Alors, moi na mbele bino oy anglais te. Par contre, mbele bino moko eza na lingala. On est plus facile. La grâce est une denrée rare que l'homme ne peut fabriquer, mais aussi une ombre parfaite. L'homme veut s'abriter. Soko sengi motongo loué, aye binde nga kope sote. Kasi soko pesi yengo loué, talebele sengo na misoye. Yango na yembango nu namona. Na yemba ngolu, na pika lulenge nyonso, na vina ngolue. Na yemba ngolue, ngolue. Na yemba ngolue. Éternité, doute à éternité de l'autre côté. Depuis le cœur de Dieu, Zambakani San, Dengeni, Abinusa, Montana, Pasio. Et mon ami, Nanzelana, Yesu, Akoufim, Poako, Puissant, Golou, Ango, en action. Les loyaux, Tosopika. Tongo midim pourquoi c'est le sacrifice de Dieu en notre faveur. Ne konanga na yemba ngolu mona lingenyos pona na yemba ngolu.
ngolo na bigalo lenge nyonso na fina ngolwe na yemba ngolwe ngolwe na yemba ngolwe Golou eza lokola tata oyo ayubi balimita bana na ye mibeko eza clair kasi ayebi comment toujours le rattraper Golou ya nzambe eza lokola mai oyo eyeli yo na kati ya désert oyebi robine ezalaka te na désert kasi esengo nanu omela ozwa kimia na motema ndeko na nga na yeba ngolu na mona molenge nyonso mpona nga na yeba ngolu na pika lolenge nyonso na merite te o Je pense au prix payé pour na koma oyo na komi lelo. Je calcule avec un doigt na komo compte bola munyo swanza et komo kangi sanga et komo yebisanga na mérite te o Golué, Golué, est-ce que ça la moutoua ça y est Golué en Zambia? Golué, juste l'assemblée, on peut chanter ça fort. Encore une fois de plus. Oh. Encore avec nos mains levées. Ongoloué. Qui osé so qui osé oh so qui osé so qui osé ma si ande Et c'est ma couffa. Ce qui a été ma signe et c'est ma béba. Ce qui a été. N'yon soyanga et qu'on Oh, comme si on y a un dimanche, il va pour l'en bas.
Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Oh, il est beau et à mon témoin. Pare pas sa cadeau. Ma si en dengal et si n'a plus pas. So qui a été ma si en dengal et si n'a plus pas. So qui a été. On va chanter encore ensemble, Nyon Soyanga. Oh, Nyon Soyanga, Mokomzi, Oyendi, Mani, Waponanga, mon héros. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, Bilimbo, Yamotema. Aïe, pas à traiter. Na mérite te Golué, na eba Golué, Golué ya zambé na eba Golué, famille na zana mérite te Santé na zwa na mérite te o Kela sinatanga na mérite te o E como kangisanga E como kangisanga o Na mérite te o Bénis le Seigneur pour ce soir encore. Ce soir, j'ai quelques textes bibliques à lire avec vous. Et puis, je vais les expliquer. Merci, Pasteur Henri, merci, Maman Fallon. Merci à tous les pasteurs à côté de vous. Merci, merci de nous avoir vraiment invités à cette grande rencontre ce grand souffle de vie. Nous sommes très très honorés. Et j'aimerais nous proposer Marc chapitre 4. Le verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ça parle en fait de l'histoire où Jésus fait taire le vent, vous savez. Et nous allons aussi lire Hébreux chapitre 11, du premier au troisième verset. Ça fait la définition de la foi, ça introduit le concept biblique de la foi. Et nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 31.
31, verset 4. Ça présente beaucoup la, la nature de Dieu, comment il s'élève pour défendre son peuple. Et puis je partagerai quatre autres façons par lesquelles Dieu règne. Vous vous souvenez qu'on a décidé de répondre à la question « Comment Dieu règne-t-il ?» Hier, j'ai utilisé un tout autre texte pour nous montrer que Dieu règne par délégation. Il règne en nous répartissant de domaines où nous donne à nous l'autorité d'aller régner. Et que lorsqu'on développe notre talent, notre mine, c'est ça qui nous ouvre la porte à régner. Et que le don lui-même, lorsqu'il est développé, il assurait l'impact. Mais il fallait le caractère pour assurer la longévité de cet impact. Hier, je finis en disant que Dieu ne veut pas seulement régner par nous, il veut d'abord régner sur nous. Il ne veut pas seulement régner à travers nous, il veut régner en nous. Comment Dieu règne-t-il? Notre texte de base montre un conflit. Jésus dans une barque, à un moment donné, le vent se met à régner. Il était de coutume pour tous ceux qui traversaient là-bas. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, quand vous traversez Génassaret, quand vous traversez ce lac-là, parce que c'est un lac, c'est pas un fleuve. C'est-à-dire, ça ne coule pas, c'est de l'eau qui tourne en fait tout autour. Et c'est entouré des montagnes. Et ça cause une sorte de pression atmosphérique et qui fait que lorsque le vent cherche sa voie en train de taper sur le montagne, à un certain moment du soir, ça crée vraiment une vague, ça crée vraiment un vent puissant pendant cette période-là. Et les bons voyageurs savent que ce n'est pas le moment de traverser. Ce n'est pas le moment d'être sur l'eau. Quand vous y prenez comme ça, sachez que ça va chauffer. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Vous notez maintenant, vous vous rendez compte de pourquoi on a dit que c'est le même jour, mais sur le soir, qu'il leur a demandé de passer à l'autre bord. Jésus vient de leur prêcher, il leur a expliqué beaucoup de paraboles. Et Marc montre que ce vent ne pouvait être possible que parce que Jésus s'y est rendu à l'heure où le vent vient. C'est-à-dire que ce n'est pas un vent compliqué qui s'est levé que ce moment-là. Mais c'est le même vent que vous tous vous avez rencontré. Le soir, Jésus dit non, on ne dort pas ici, on traverse. Après avoir envoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Le vent est si fort, ça crée une sorte de tourbillon et les mouvements, les petits, vous voyez, l'eau quand ça bouge, ça fait des flots. Les flots de ces eaux commencent à entrer à l'intérieur de la barque. Et la barque commençait à se remplir. On commençait à prendre de l'eau pour commencer à sortir. Et lui, payé, il dormait à la poupe sur le coussin. Le vent bouge. Ça agite, mais lui dort. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Périr et mourir, il y a une légère différence.
Ouais, je me disais bien comment il allait faire pour descendre. Mais périr, ce n'est pas une mort instantanée, c'est une mort progressive. On est dans un processus qui nous amène à la mort. On a pris une pente glissante. On est déjà en train de mourir progressivement. Alors il dit, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. C'est-à-dire, il n'a parlé pas aux disciples. Il a parlé à quelque chose qu'on ne voit pas. Et dit à la mer. Suivez très bien. Il a menacé le vent. On n'a pas retenu, on n'a pas écrit ce qu'il a dit au vent. Mais après, il a dit quelque chose de précis à la mer. La mer n'est pas le vent. Non, la mer n'est pas le vent. Vous voyez? La mer. Et le vent. Non, mon pépé. Alors, mais il a menacé le vent et il a ordonné à la mer. Silence. Kimia. Tais-toi. Fanda kimia. On raconte que cette expression qu'il utilise ici. Le français a tout son côté très respectueux et tout ça. Mais littéralement, ce qu'il est en train d'utiliser, ce n'est pas vraiment un langage qu'on dirait à un homme. C'est comme on dirait à son chien. Et donc le langage n'est pas aussi, aussi formel. C'est comme si on disait une chose, on disait quelque chose qui est vraiment inférieur et on prononce avec rigueur. Les Français d'aujourd'hui allaient dire la ferme. Vous voyez? C'est comme ça qu'on parlait. Donc c'est pas silence, tais-toi. Non, non, non. Il parle comme tu parleras à ton chien. Ferme-la. C'est comme ça qu'il a parlé. Et les vents, c'est ça. Il lui a un grand calme, un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous sommes dans un contexte où Jésus est dans une barque. Mais sa suprématie, je veux dire, son leadership est menacé. Parce que régner, c'est conduire et dominer un système royal. Tu établis un système. Tu as tes sujets, tu as tes gens, les gens qui te suivent. Tu domines. Tu es là comme le maître. Mais tu les diriges aussi vers quelque part. Jésus ici, il est le maître. Mais depuis un moment, depuis qu'ils sont dans la barque, depuis qu'il y a le vent, il n'est plus le maître. Il est celui qui dort là-bas, la poupe sur le coussin. Depuis que le vent est arrivé, Jésus n'est pas l'expert. On les laisse dormir. On l'a déjà vu guérir les malades. On l'a déjà vu faire beaucoup de miracles. Mais rien encore en matière d'eau. Alors on utilise d'abord l'expertise des experts. Pierre, Jean, Jacques son frère. Tout le monde essaie de faire le maximum. Il ne recourt à Jésus que lorsque l'eau
outrepasse son terrain de domination. Ça commence à envahir la barque. Alors les disciples se disent, nous sommes en train de mourir petit à petit. Ils n'ont pas réveillé Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Ils ont réveillé Jésus pour qu'il prenne conscience de ce qui leur fait peur à eux. Pour lui dire, ça ne te fait rien, on est en train de mourir. On n'est pas en train de lui dire, Seigneur, chasse, fais quelque chose contre le vent. Non, ils ne savent pas qu'il y a le pouvoir contre le vent. Tout ce qu'ils sont en train de se dire, on ne va pas mourir comme ça. Lui, il est ici. Il faut quand même qu'il sache. Dis-moi, Yoba a noté. C'est ça en fait l'idée. Il dit, bon, ton koufara, yo la la rana, yo. Tiens le boko, bosse. On essaie de s'en sortir. Contribue. Tiens moi le boko. On n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire quand il allait se lever. Aucune idée. Lui, il se lève. Il n'aide pas. Il n'essaie pas de prendre l'eau et de faire sortir. Comme le roi qui domine dans la barque, sur l'eau et dans tout l'univers, il le gronde, c'est-à-dire il menace. Ça c'est ce qu'il dit au vent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi ça? T'as pas vu que j'étais là en train de dormir? Et puis dit à la mère, tais-toi. Bon, normalement, si tu t'élèves comme ça, tu pars comme ça dans les vides. Nous, on se demande si t'es pas fou. Vous savez, bah, filmer ça là en bien-té. Pendant film, tarada dans la télé. Non. Vous allez éveiller quelqu'un. Mais toi d'ailleurs, ce n'était pas. Ne t'inquiète pas de ce que nous mourrons. Non, c'est-à-dire je suis sûr que tout le monde avait peur de les réveiller. Mais je suis sûr que Pierre a dû être dans l'affaire. Non, le maître dort au couf. On va le réveiller. Ne t'inquiète pas de ce qu'on est en train de mourir là. On va progressivement à la mort. Imagine-toi quelqu'un qui dormait. Se réveille. Il ne vous parle pas. Directement, il regarde. Et qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu déranges? Et toi, tais-toi. Et on y les suit. Allô, Tini. Mais on savait qu'il parle au vent. On savait qu'il parle à la mer. À la minute qui a suivi, la seconde qui a suivi. Kimia. C'est dit, bon, le gars, il n'était pas fou. C'est là qu'on s'est dit, mais point nani, tout le monde qui était dans la cala. Kala wana tout ça qui wapi. Bizarre, hein? Mais Jésus a démontré, qu'est-ce qu'il soit allé ici, par là. En réalité, c'est lui qui avait toute domination. C'est lui qui pouvait parler et tout allait lui obéir. Hébreux 11, 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Faut que je dise tais-toi. Ça risque d'éclater les baffles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous avez vu ça? Ici, l'homme d'Hébreu est en train de définir la foi. Et il se prépare à donner des explications autour de la foi. C'est l'une des rares fois dans la Bible que vous trouvez une définition
presque scientifique d'un concept spirituel. Vous ne trouvez pas du genre le mariage est. Je veux dire quoi? Le baptême est. Mais ici, il définit comme dans tous nos livres de géographie et d'histoire. Il fait vraiment une définition. La foi est une ferme assurance des choses. Il met le concept de la foi. Il montre l'idée de qu'est-ce que c'est que la foi. Et il va en disant, c'est par la foi que nous reconnaissons. Reconnaître, c'est-à-dire nous nous rendons compte que la part que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit a été fait de n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que de sorte que ce que nous voyons vient de l'invisible. Le dernier passage de Ésaïe. Et je pourrais rassembler vite les puzzles et on aura fini. Ésaïe 31 4 Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre pour la montagne de Sion et sur sa colline. Vous avez entendu ça? Vous vous souvenez du verset qu'on aimait beaucoup écrire dès qu'on avait nos Bibles à l'époque, les Bibles dures? Là, au coin du verset. J'avais metté Josué chapitre 1, verset combien? 7 à 8, hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Vous voyez l'avantage d'avoir une Bible dure. Maintenant, sur ta Bible du téléphone, tu écris quoi? Il y a des gens qui, dans leur Bible, ils ne savent même pas qu'ils peuvent prendre des notes à l'intérieur de cette application-là. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent surligner dans cette application et mettre les notes directement surlignées sur base de cette application. Même puis, ils ne savent même pas que moi, j'ai publié des méditations dans cette application. C'est-à-dire que là, quand vous regardez les études bibliques, on vous propose. J'ai publié des études bibliques dans cette application. Bon, utilisons vraiment ça comme une application, comme une Bible, comme il se doit. Pas pour se dire seulement que j'ai la Bible dans le téléphone. Ah, téléphone en gala. Oh, le lingala, c'est très riche. Lingala, c'est très riche. C'est très fantastique. Comment Dieu règne. Chaque fois, je me base sur un texte du Nouveau Testament. Et vous montrez que c'est une habitude de Dieu depuis l'Ancien Testament. C'est quelque chose que Dieu fait, c'est une habitude de Dieu depuis l'Ancien Testament. Je me base sur ce qu'a fait Jésus. Pour que nous voyons toute la révélation de Dieu depuis l'Ancien Testament. Comment Dieu règne? Hein? De l'invisible au visible. Comment Dieu règne? Souvenez-vous, je suis déterminé à ce qu'on arrive à la pratique. On sache comment on fait ça. Comment ça s'est produit? Comment ça a lieu? On parle du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Comment Dieu règne? Il règne de l'invisible vers le visible. Ça signifie quoi? Il règne du spirituel vers le matériel. Il règne de ce que l'on ne voit pas vers ce qui donne vie à cela.
Jésus ici Yesu awa est dans la barque. Azali na kati ya bwato. Personne ne voit le vent. Mais il est quand même touché par le vent. Le mot vent souffle a toujours été dans la Bible dans l'idée de ce qui est esprit. Il veut d'ailleurs littéralement dire esprit. Le mot pour souffle, c'est le mot aussi pour esprit. Et Jésus, pour faire le jeu de mots entre souffle et esprit, pour montrer combien le souffle est invisible, mais il agit, il compare cela à la spiritualité. On ne voit pas ça, mais les actions sont claires. Pour exprimer cela, Jésus-Christ a utilisé un langage dans le livre de Jean. Il dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il est imprévisible. Et quand tu nais de l'esprit, tu deviens un souffle. Je ne dis pas ça parce que je suis dans souffle de vie. Mais il associe chaque fois dans le texte l'idée de souffle et de vent avec l'esprit. Et quand Jésus se rencontre, qu'ils sont menacés, ce qu'on voit, c'est l'eau. Ce qui bouge, c'est la barque. Le bruit qu'on entend, c'est la mer. Jésus touche l'eau. Non, on dirait à Jésus, Jésus, s'il te plaît, touche l'eau. Je suis en train d'hyperboler ici. Je dis, imaginez, Jésus touche l'eau. Jésus fait quelque chose à l'eau, c'est l'eau qui nous dérange. Jésus fait quelque chose à la mer, touche la mer. Touche la barque. La barque, c'est elle qui s'agite. Jésus dit ici, je vais régner. Je vais montrer que ici, c'est moi le roi de rois et c'est moi le seigneur des seigneurs. Jésus fait un geste de roulage. Jésus prend quelque chose, tape sur cela. Jésus, non, je vais commencer dans les origines, dans ce que vous ne voyez pas, mais dans ce qui se cache derrière. Je vais commencer par l'invisible et vous le verrez s'accomplir. Je vais commencer par l'invisible et vous le verrez s'accomplir. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, là où Dieu veut régner, il passe d'abord plus de temps à fixer l'invisible avant de s'occuper du visible. Quelquefois, on se dit, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi je ne sens pas encore sa gloire? Pourquoi je ne vis pas encore cela? Il est très occupé à fixer cela dans l'invisible. Il est très occupé à fixer cela dans la réalité des choses. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le matériel n'est pas le réel. Ce qui existe existe d'abord en esprit et se matérialise ici après. Ok. Parce que nous avons tendance à croire que ce qui est spirituel n'a pas de lien avec le matériel. Non, ce qui est spirituel n'a pas de lien avec le matériel. Comme l'esprit est immatériel, il ne peut pas produire le matériel. Non, c'est faux, c'est archi faux. Dieu est esprit. Et c'est lui qui a créé l'univers complètement, de Dieu à Z. Les esprits peuvent se matérialiser et ils peuvent provoquer une chose matérielle. Ils peuvent créer une chose qui se touche. Exactement. Tous les autres esprits ne le font pas de la même manière que nous. L'esprit humain est le seul qui prend la différence entre concevoir en esprit, travailler avec ses mains jusqu'à les réaliser. C'est pour ça, le pont. Bagba. Bagba, voilà. Le pont, c'est ça le vrai nom. Le pont Bagba
n'est pas matériel. La maison n'est pas matériel. La maison est d'abord l'imagination de l'architecte. Il le conçoit et vous le verrez s'accomplir. Sans aucune capacité de concevoir ça de façon immatérielle dans sa tête, vous ne pourrez pas progresser pour faire cette maison. Même s'il n'est pas architecte, il est maçon. Même s'il n'est pas maçon, il est seulement le propriétaire de la maison. Quand il arrive sur le terrain, il doit commencer à concevoir. Je veux deux chambres salon, là-bas il faut que ça soit. Ce qu'il fait là, c'est ça la réalité des choses. Après vous le verrez s'accomplir. Mais nous les chrétiens, on réfléchit à l'envers. On pense que ce qui est, c'est ce qui est matériel. C'est ça ce qui est. Non, ce qui est, c'est ce qui est invisible. Et c'est ça qui se manifeste après. Sans une maison dans la tête, il n'y a pas de maison physiquement. Or, dans la tête, en esprit, dans l'invisible, il y a plus de champs d'action. Parce que là-bas, les règles sont différentes. Et tout dépend de ta foi, de ta capacité à faire en sorte que les règles de l'invisible s'imposent aux règles du déjà visible. Je vous ai perdu. Ça va jusque-là? Parce qu'en réalité, les règles visibles ne s'imposent pas sur l'invisible. C'est plutôt les règles de l'invisible qui s'imposent sur le visible et s'ajoutent au déjà existant. Ça signifie ce qui arrive autour de nous ne tue pas tes idées. Ne tue pas tes idées. Ce sont tes idées qui plutôt vont s'imposer et se créer. Dans un contexte où il n'y avait pas de téléphone, ou dans le téléphone, on ne voyait pas de vidéos. L'idée d'avoir des vidéos sur le téléphone s'est imposée dans un monde où il n'y en avait pas. Toujours en train de me suivre? C'est que quand on parle du spirituel et l'église, les gens commencent à avoir peur. Ok. Imaginez que je prenne un éléphant. Je le mets sur cette chair. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va se détruire. Ils sont pour. Et ça va se détruire. Si le lion, je mets l'éléphant ici, ça va se détruire. Qui sont pour? Qui sont contre? Bon, pour la nuit, basala à l'église nyonso. Na l'église nyonso, na kenen na vie, na ngabana na botama. Et zara toujours na pour, na contre, na batumoko batombo la kamisapi. Donc, basa maïe la, ouais on va pour, ouais on va contre, ouais on va contre, ouais on va pour, ah. L'homme sage. Bah, j'ai la rane, j'ai gelé la rane. Il y a toujours des gelés à l'église. En effet, si je mets un éléphant sur cette table, il ne peut le détruire que si je l'accepte. Parce que jusqu'ici, l'éléphant est dans ma tête. La table est dans ma tête. Les règles de ma tête n'oblige pas que la table soit détruite. Ce sont les règles ici du physique. Si je prenais un éléphant à mettre ici, je l'amenais ici. Mais moi je vous ai dit, imagine que je prenne un éléphant. L'éléphant de ma tête. L'éléphant de ma tête. Et la table de ma tête. Ne se détruiront que si je décide. Pour un robot, on peut désanimer. Mon ami, c'est Bouganaté.
Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ça. Ce qui veut dire que les véritables règles qui s'imposent dans le physique, ce sont celles qui naissent dans l'immatériel. Alors Jésus se dit, je marche sur l'eau. Toi tu dis, on ne marche pas sur l'eau. Sur base de quoi? J'amène une autre règle qui dépasse le principe d'Archimède que vous avez vu. Cette règle-là me permet à moi, parce que je vais marcher pour venir là-bas. Dans cette règle-là, l'eau n'est pas haut comme chez toi. C'est haut comme chez moi. Et je marche sur l'eau. Ok, j'espère que ça va aller petit à petit. Hein? J'espère que ça va aller. Hein? Ok, j'espère très bien que ça va aller. Ce qui signifie, lorsque Dieu conçoit, il n'a pas, il n'existe pas de doute en lui que ce qu'il a conçu va se réaliser. On appelle ça dans la Bible la foi de Dieu. C'est ce que Jésus dit quand il dit, ayez la foi de Dieu. Si vous dites à cette montagne, quitte ici, va là-bas. Cela se fera. C'est-à-dire ceci. Tu considères que la règle que j'établis spirituellement ne souffrira d'aucune contradiction dans sa manifestation au milieu des autres règles déjà existantes. Oh, je vois que là, je suis en train de traverser carrément la folie là. Alors Dieu, en lui, il n'a même pas la sensation, même pas l'idée, même pas une pensée vague. Et ce qu'il veut faire ne pourrait pas se faire parce que ça ne se fait pas. Le fait que ça ne s'est jamais fait ne lui empêche pas de le faire. Je ne sais pas si vous raisonnez ça. Quand Dieu veut faire une chose, il ne se base pas sur ce qui s'est déjà fait. Parce que c'est lui qui fait faire ce qui s'est fait. Toujours en train de me suivre. Amen. C'est pour cette raison que quand Dieu règne, il règne d'abord dans là où on ne voit pas. Parce que dans l'invisible, dans la pensée, dans l'immatériel, c'est là que se forme la réalité. Je me souviens, moi j'étais en train de faire les sports de combat, pas loin ici à Lumumbele. Un de mon oncle était maître de... Mukumbusu, il s'appelait. Je ne vais pas sortir le nom, peut-être Mdakana. Et on disait toujours, quand vous voulez vous battre, n'écoutez pas ce que dit l'adversaire. Quand l'adversaire te parle, il te dit des choses. Si tu entends ça et tu acceptes ça, tu perds la bataille. Connaissez les gens là qui ne se battent pas mais qui parlent. Yo, sarananga, yo. Dala yo, no tombo la yo. No pues, no beta beto nan zete. Si déjà tu le vois, ceux qui ont mon yango en train de te prendre, à suivre tombo la yo, te taper comme ça sur la. A beto boye nan zete, tu as perdu. Obungi si tumba. Je vais mettre le dernier coup, clou pour que vous compreniez ça. Non, tu as cité à Souka, un jour, Israël devait se battre contre un peuple appelé les peuples de Jéricho. Et le peuple de Jéricho avait construit un mur qui était très grand. L'épaisseur du mur ressemble un peu au boulevard de bout en bout. Le boulevard ici de Lumumba ici. De Limete. C'est ça l'épaisseur du mur. Et que les gens construisaient des maisons à l'intérieur. Même habitaient à l'intérieur du mur. Et ils disaient que leur mur était bâti par leur Dieu. Parce qu'avant d'atteindre Jéricho, il fallait atteindre d'abord le mur. Alors Israël devait faire tomber les murs pour accéder. Non, pas les murs.
Ils avaient juste besoin de faire tomber le portail. Et pour rentrer, ils n'ont pas besoin de mur. Ils ont juste besoin de portail. Mais quand le peuple de Jéricho a pris qu'Israël dans les côtés, ils se sont mis en quarantaine. La Bible dit dans le livre de Josué qu'ils se sont barricadés de l'extérieur et de l'intérieur. Alors Dieu dit, allez là-bas. Au lieu de leur dire, prenez des cailloux, jetez, prenez du feu, jetez, détruisez ce qui se passe là-bas. Dieu préfère faire ceci. Avant que vous deux vous vous battiez, nous les dieux on va se battre. Ils ont dit qu'ils ont un dieu derrière, non? On va commencer la guerre spirituelle. Et la manifestation physique suivra la conséquence de chaque peuple selon son Dieu. Et quand ils sont arrivés, Dieu dit, ne touchez rien. Tournez seulement. Frère, les spirituels a toujours un point de contact physique. Ce n'est pas parce que c'est spirituel qu'il n'y a pas un geste qui se fait physiquement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est tourné seulement. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Je ne sais pas au quantième jour vous êtes pendant ces temps de jeûne. Mais il est possible qu'au niveau physique vous n'ayez rien vu. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Dieu avait promis il va résoudre le problème du mur. Mais il n'y a ni fissure, ni égratignure, ni tremblement de terre. Le mur est intact. Ce n'est pas parce que dans le physique c'est intact que c'est dans le spirituel c'est la même chose. Et ça continue à tourner. Le septième jour, il devait tourner sept fois. Mais frère, n'abandonne pas tant que tu n'as pas fini d'obéir d'abord à Dieu. Ne te dis pas je n'ai rien vu. Avant de dire ça, finis d'abord les tours. Septième tour, le septième jour, il n'y a pas eu de progression. Ça n'a pas commencé à se casser. Le terme qu'il y a là-bas à l'intérieur signifie que le mur a été poussé. C'est-à-dire que le mur ne s'est pas cassé. Il a été poussé, il a été écroulé. C'est-à-dire le mur est là. Pas les briques se cassent, mais tout le mur s'écroule sur toi dans la forme qu'elle est. Elle vient elle-même comme ça sur toi. C'est ce qu'on appelle écrouler. Le mur a été si bien poussé. Et Dieu avait promis Arabe que si elle mettait un pendentif là, un signe, les espions lui avaient promis que sa maison ne serait pas détruite. Alors celui qui poussait les murs a poussé, il est arrivé ici, il a sauté, il a poussé. Si l'effet de l'écroulement du mur était un acte physique, l'effet de l'écoulement des murs allait emporter aussi la partie des Rahabs. Quelqu'un a poussé ces murs. Quelqu'un, pendant que sur la terre, on a juste crié. Sur la terre, on les a pris pour de fous. Sur la terre, ils n'ont pas utilisé des stratégies de bataille, mais des stratégies de louange. Des stratégies de louange. Pendant que physiquement, ils font une folie intellectuelle. Spirituellement, ils sont en train de bouger les murs. Alors Dieu dit ceci. Moi, je vais écrouler les murs. Et vous allez vous battre. Je ne vais pas les tuer. Vous allez vous battre entre vous. Mais ils ont dit qu'ils ont un dieu. Je vais en finir avec leur dieu d'abord. Et ça va se manifester physiquement. Et puis vous pouvez en finir avec eux. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Dieu va aller jusque dans les réunions. Il va en finir.